Kilanta. I don't the one that Kilanta. I am the one that Kilanta. I can I am the one that Kilanta. I don't the one that Kilanta. I am the one that Kilanta. I can voilà. Oh. La joie qui s'exprime déjà. Aujourd'hui que nous avons le privilège de toucher de Dieu la nature de ce don. Merci, merci à Dieu. Un don qui a été plutôt bien choisi. Merci, on a compris. Que Dieu te bénisse. Voilà. On a compris que les femmes ont toujours on veut vraiment s'en réjouir. Merci Dieu. Je sais ce combien de fois elles sont soulagées. Je sais ce comment cette machine va les aider. Et comme on a l'habitude de dire, mesdames et messieurs, c'est que la main droite te donne, la main de chimère totalement, c'est avec un cœur ouvert. Nous allons prier les autorités de prendre place.
traditionnel. Il s'agit du représentant de la chevalerie du quartier Corcu, qui est là avec nous. Soyons les bienvenus à Corcu 2, quartier Aoussa. Quartier Aoussa. Comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, nous sommes tous avec du patriotisme. On parle de repère et notre rien tout simplement, mesdames et messieurs, vous l'aimez pour l'exécution. Je demande aux représentants de nous une fois de plus cet événement, surtout de nous le geste de représentant de l'imam de la mosquée centrale. Nous allons passer rapidement passer la parole à Mme Charlotte. C'est vrai qu'elle a beaucoup parlé à travers la bande. Je vous en prie, Mme Charlotte. Bonjour tout le monde, bonjour les représentants des mamans, bonjour tous les mamans, bonjour tous les enfants, bonjour le président Mustapha. Nous sommes aujourd'hui ici, c'est juste par geste de solidarité et d'amour. Donc, vous savez que nous avons une association qu'on a créé en Belgique. Ça fait 2 ans maintenant. Et c'est pas la première fois que je suis ici. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'était juste pour vous faire le petit geste qu'on a fait par rapport à notre promesse. Et c'est pour vous dire qu'on va continuer, tout ensemble. Laisser la parole à mon président ici au Cameroun, M. Chamoun Siméon. Merci beaucoup. Chère maman, bonjour. Chers frères et sœurs, monsieur le délégué des affaires sociales et votre suite, les dignitaires religieux, représentants de l'imam de la mosquée centrale de Bafoussam, soyez les bienvenus à cette cérémonie. Chers confrères journalistes, merci pour votre contribution. La joie est immense dans mon cœur aujourd'hui et je prends la parole au nom du Centre social d'information d'orientation scolaire professionnelle pour dire que vraiment ce petit don que nous avons apporté ce jour est le fruit d'un travail abattu depuis fort longtemps par le président Mustapha qui est avec nous et la veuve maman Salamato. C'est depuis plus d'un an qu'on s'est connus et on a siégé ensemble. Nous n'avons pas eu la chance d'apporter quelque chose par rapport aux doléances des veuves puisque compte tenu du temps, il fallait un peu de moyens pour permettre à ces veuves
de mener une activité génératrice de revenus. Et elle nous avait soumis une donnance lors de notre passage ici par rapport à la journée dont nous avons. Il y avait une causerie éducative. Elles ont demandé ce financement-là pour faire un peu du haricot, beignet, bouillie pendant le mois du Ramadan. Nous n'avons pas rassemblé les moyens qu'il fallait en ce moment. Et nous avons pensé que lieu, avec un moulin à écraser, ça pourra permettre non seulement à ces veuves d'écraser un peu de couscous pour nourrir les enfants, les orphelins qui sont là, mais également de garder un peu d'argent dans une caisse, si bien qu'au prochain mois de Ramadan, qu'on puisse acheter des sortes de farine, de sucre, pour pouvoir relancer ce projet de beignet haricot bouillie qui sera consommé pendant cette période, et qu'après ça, le revenu tiré de cette vente de ce petit commerce-là va permettre de lancer également une formation en teinture comme ces femmes avaient sollicité. Donc c'est petit à petit qu'on va avancer. Ce don d'aujourd'hui n'est pas un don qu'on vient jeter. C'est vrai que nous serons là de temps en temps pour voir comment ça évolue, parce que l'objectif, c'est que ça produise des revenus qui permettront de nourrir les familles et de continuer à créer d'autres activités génératrices de revenus. Donc nous serons fiers qu'on vienne comme ça trouver 5 machines, deux bénétariats, deux ateliers de couture ou de teinture. Ça sera très bien pour le bonheur de la population de Koktou. Parce que les veuves ont sollicité cette machine, il y en a aujourd'hui. Mais ce n'est pas uniquement les veuves qui vont écraser, qui vont bénéficier de cette machine. C'est toute la population de Koktou dans l'ensemble. Et je ne saurais mieux dire que monsieur le délégué des affaires sociales qui est là, lui qui maîtrise bien le coin et qui saura parler davantage. Je vous remercie déjà pour l'accueil chaleureux. Je vous demande des excuses à notre nom pour le retard accusé, parce qu'on avait dit 10h30 notre arrivée. Mais je suis arrivé, vous avez constaté vous-même que c'est même ici que le technicien visait certaines choses. Parce qu'eux, ils n'étaient pas prêts pour nous livrer. Nous étions prêts à temps. Donc nous vous présentons les excuses et prochainement, nous allons respecter les horaires tels que prévus. Je vous remercie. Des interventions, surtout de Madame Charlotte. S'il y a des revenus, pourquoi pas la prochaine fois une. Salut également, je veux voir la personne qui est certainement avec nous. Un mot à dire, vous pouvez également faire des solutions. Je vous en prie, monsieur le délégué. Le développement islamique en termes de Bafoussam, distingués invités, chers bénéficiaires. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole dans cette salle de la mosquée centrale de Bafoussam pour remercier très sincèrement de m'avoir apporté ce petit moment pour exprimer ma joie à travers le don. Madame la donatrice, je voudrais sincèrement vous remercier pour cet élan de cœur que vous avez manifesté à l'endroit de nos sœurs. Vous avez posé là un geste de solidarité jamais égalé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander d'être notre porte-parole partout où vous serez. Chère maman, vous qui bénéficiez de cet élan de générosité aujourd'hui, j'ose croire que l'utilisation sera d'une efficacité et efficience avérée. Oui, la machine que vous recevez aujourd'hui, la maman donatrice a fait un geste de cœur. Vraiment, je voudrais que vous en profitiez au maximum. Elle vous a non seulement donné ce qu'il y a là aujourd'hui, elle vous a appris à pêcher. Elle ne vous a pas donné du poisson, elle vous a donné, et elle vous a appris à pêcher.
faisant bon usage. Une fois encore, madame, soyez l'ambassadrice de ces femmes-là auprès de vos partenaires nationaux et internationaux. Madame et messieurs, le champ d'application de la solidarité sociale dans la ville de Kwakusam est immense. Les populations vulnérables sont de plus en plus grandissantes. Dans la seule ville de Kwakusam, nous avons une vingtaine d'orphelinats qui ont besoin d'un élan de solidarité. Le gouvernement seul ne peut pas faire tout à la fois. Nous vous tendons la main afin que davantage vous nous appuyez. Vous serez alors l'imitatrice ou bien celle-là qui suit l'exemple de l'ambassadrice de bonne volonté, j'ai nommé Madame Chantal Biya. Je vais le dire à un autre endroit parce que je suis de manière formelle et entière. Représentant de ces personnes socialement vulnérables dans la ville de Kwakusam. Vraiment, je vous prie d'accepter leurs remerciements parce que je sais qu'elles sont débordantes de voir actuellement par rapport à ce geste que vous avez fait. Soyez-en remerciés, madame. Une fois de plus, galvaniser les veuves. Voilà, ça veut dire que, au lieu de vous donner à manger pour une journée, on a donné une autre vie. Alors, mesdames et messieurs, c'est bon. Oui. Ah, disons, ça c'est qui ça? Ah. Voilà, on est là.
Essayez de les encourager, de comprendre que ce n'est pas parce qu'un mari est mort, on peut bien marier encore un autre. Parce que quand, quand ils sont bien à l'aise, un mari est mort, il a laissé une maison comme ça. Il a laissé une femme avec deux enfants. Elle s'est dit que j'ai déjà ma maison et je ne peux plus me déranger. Alors que avec un autre homme, il peut la secourir, donner le bien de secours pour ses deux enfants-là. Oui, parce que encourager comme ça, c'est bien. Et encourager aussi, d'être aussi la femme d'une autre personne, c'est très bien. Madame, monsieur le délégué, on vous remercie beaucoup. Et que vous avez de l'avant plus que ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Après, l'imam va faire la Wallahi Mayram Job. Wallahi Mayram Job. Wallahi Mayram Job. Senimi Toima. Namjon Tato. Valeu, Awari.